Depuis lundi, le Brésil est paralysé par une grève des routiers qui protestent contre la hausse du prix du diesel. L'ensemble de l'économie est affectée dans cet immense pays où plus de la moitié du transport de marchandises s'effectue par la route. Face à ce blocage, le président Michel Temer a décidé de mobiliser l'armée pour dégager les grands axes, une décision qualifiée d'instrument de répression par les leaders des principaux syndicats de transporteurs du pays. L'un d'entre eux, l'APCAM, s'est dit inquiet pour la sécurité de ses chauffeurs. Ce syndicat a appelé à lever les barrages tout en poursuivant les manifestations. Dans le pays, les supermarchés sont notamment impactés par ces blocages. La marchandise est arrivée la semaine dernière. Cette semaine, on n'a rien reçu. Le prix des œufs est passé de 80 reais à 120 reais. Un sac de pommes de terre qui coûtait 80 reais a atteint 300 ou 400 reais. En raison de la grève des routiers, des dizaines de vols ont dû être annulés à l'aéroport de Brasilia et de nombreuses stations-service sont à sec.